Bonsoir mes petits loulous, je suis docteur Asma Andoni, médecin généraliste marocaine à Boujdo. Alors ce soir, c'est samedi soir, on est le 2 septembre 2023, 23h41, G+1. Alors directement de Boujdo, nous allons traiter le sujet le plus appétissant. Il s'agit de la bienveillance. Il s'agit de comment se protéger et de s'éloigner et de vivre avec, quand il n'y a pas moyen d'éviter, comment est-ce qu'on pourra apprendre à vivre avec les gens qui nous traitent mal ou qui tentent de nous maltraiter. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Alors, je vais à vous la parole, donc je vais écouter, je vais bien lire vos commentaires pour comprendre, pour savoir, avoir une idée sur qu'est-ce que vous voulez savoir de moi. Si vous n'avez pas de questions, je vais aborder librement mon sujet. Et c'est parti. Alors, sujet de ce soir, c'est s'éloigner des gens qui vous traitent mal. Pourquoi on a du mal à empêcher les gens ou à imposer le respect? Tu n'as pas cette capacité d'imposer le respect simplement parce que tu n'as pas appris à le faire à ton jeune âge, ok? Donc, ce live va être très technique, bref et surtout très concis. Donc, premier point. Tu peux pas imposer le respect parce qu'on te respectait pas quand tu étais petit. Ok? Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une question très pertinente. Ok? Je termine ma réplique et je vous réponds. Donc, si tu as du mal à imposer le respect, si tu laisses les gens te maltraiter, je vais partager avec vous quelques exemples, c'est-à-dire quelques cas que moi j'ai traités en collaboration avec mes collègues psychiatres dans le cadre du sevrage, du tabagisme, alcool, tout ce que vous voulez. Nous avons touché qu'il y a des gens qui ont du mal à imposer le respect. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une mentalité, parce qu'ils ont un système de croyance qui est vraiment très 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 nocif. Par exemple, il y a des gens musulmans qui ne comprennent pas l'islam et qui croient qu'en islam, on doit permettre à tout le monde de nous humilier, de nous dénigrer, de nous dévaloriser, de nous sous-estimer, de nous traiter comme ils veulent. Et nous, on est obligés de supporter ça. Alors, moi, j'ai dû même demander à des savants de charia, avec des gens, c'est-à-dire des vrais chercheurs en islam, dans la religion de l'islam. Et on m'a dit qu'en islam, on n'a pas le droit d'insulter déjà. Et même dans le Coran, c'est bien clair qu'on n'a pas le droit d'insulter les gens. On n'a pas le droit de maltraiter les gens. D'accord ? Donc, toi, dans ta tête, tu avais une logique, tu avais un système de croyance, tu avais une éducation qui est très mauvaise pour la santé. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'ignorance. Alors, pour traiter ce problème de santé, on est obligé de demander au patient de recourir aux gens à qui il fait confiance. C'est-à-dire, tu es musulman, je suis médecin, je ne sais rien sur la religion, je n'ai même pas le droit de parler de la religion. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On demande au patient, au moins, de lutter contre son ignorance religieuse et de bien connaître la religion à qui il a confiance, à qui il croit vraiment. À laquelle il croit vraiment, ok? Tu as tes croyances, le médecin doit respecter tes croyances, mais il doit, à un certain moment, il est coincé, il ne peut pas t'aider. Il ne peut pas. Pourquoi le médecin ne peut pas t'aider? Parce que le médecin n'a pas de réponse, il n'a pas à savoir, il n'a pas étudié ta religion. Je ne peux pas aider quelqu'un à faire quelque chose que moi j'ignore, ok? Voilà pourquoi je pense que c'est important
pour toute personne qui a une certaine croyance, qui a une certaine religion, vous devez absolument faire un grand effort pour comprendre votre religion, sinon vous allez souffrir par ignorance. Alors, premièrement, on a dit, moi par exemple, je suis musulmane, j'essaie de chercher pour ne pas souffrir. J'ai découvert qu'en islam, personne n'a le droit de me maltraiter. L'islam n'a pas dit ça, ok? Deuxièmement, en islam, personne n'a le droit de me juger. Vous n'êtes pas des dieux. Alors que quand j'étais plus jeune, je permettais aux gens de me donner des critiques, de me faire des critiques comme quoi ils me critiquent pour m'aider à bien évoluer, pour m'aider à garantir le paradis. Et on ne pourra jamais garantir le paradis en étant bon. On doit avoir un certain niveau de tolérance, de miséricorde, et surtout de laisser les gens tranquilles et de ne pas faire souffrir les gens. Parce que même dans notre religion, l'islam, un jour, on sera amené à être... Il y aura un bilan, ok? On sera amené à être soit récompensé, soit puni, ok? Et il va falloir demander pardon à toute personne à qui on a fait mal. Et puis, on est obligé, voilà ce qui est bon en islam, c'est qu'on est obligé de pardonner les gens. Mais pour pardonner, il faut digérer. Et pour digérer, on a besoin d'un médecin, d'accord? Donc, si vous avez remarqué, comme le prophète l'a dit, le savoir est très important. L'ignorance est très nocive pour la santé. Tu peux pas avancer si tu ne luttes pas contre ton ignorance. Et l'ignorance, ça peut toucher plusieurs domaines, plusieurs niveaux, plusieurs horizons, si vous voulez. Donc la médecine seule est incapable de traiter les problèmes de santé liés à la maltraitance parce que les gens ont des croyances et ces croyances sont basées sur l'ignorance. D'accord ? Point à la ligne. On ferme cette fenêtre. Je vais lire vos commentaires. Pour ce qui concerne celui qui cherche des relations sur Internet, doit voir un psychologue, un psychiatre, j'ai dit. Alors moi, c'est clair dans ma tête. J'ai passé 3 ans de live, jour et nuit, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. Ce que j'ai pu remarquer, j'ai déjà eu une première page de Facebook où j'avais 300 000 abonnés. Maintenant, je suis à 130 000. Ce que j'ai remarqué, c'est que au Maroc, le ministère de la Santé a mis en évidence que 48% des patients, des gens, des Marocains, ont un problème ou ont déjà eu des problèmes de santé psychique ou mentale, tout type confondu. C'est-à-dire qu'on est dans une vie avec des gens où la moitié risque soit d'être malade, soit d'avoir vécu une maladie psychique ou mentale. Donc il y a toujours un risque de rechute, je ne sais pas moi. Donc ça, c'est grave. D'accord ? Donc quand tu te connectes, 50%, il y a une probabilité de 50% que tu sois malade. D'accord ? Donc il se peut que ça soit toi le malade, donc on doit te protéger. Par exemple, tu es déprimé, tu ne dois pas faire des connaissances sur Internet parce que tu peux risquer de tomber sur un pervers narcissique qui profite des malades. Le pervers narcissique est là, il cherche les malades, pas pour les traiter, mais pour les emmerder, pardon, et pour les rendre fous et pour les pousser à se suicider. D'accord ? C'est ça. D'accord ? Alors, pourquoi c'est important de ne jamais de penser avoir un psychiatre si tu cherches un partenaire sur Internet ? Ben, c'est simple. Parce que moi, par exemple, actuellement, moi, je n'ai pas besoin de connaître des gens, de nouveaux gens dans ma vie. Tout est classé. J'ai des tiroirs, j'ai des cadres. Tout à l'heure, on a évoqué le sujet des cadres de relations. Donc, tout est clair. Par exemple, maintenant, je suis tranquille dans un grand jardin ici, très, très chic à Beauchetour. Il fait très beau. Je n'ai pas envie que quelqu'un vienne se placer à côté de moi, ok ? J'ai pas envie qu'une femme vienne me dire « Ça va, Asma, tu vas bien? Est-ce que je peux te raconter mes problèmes ?»
Non, pour moi, elle est malade, elle va me rendre malade. D'accord? C'est bien clair dans ma tête. Moi, je suis médecin, je peux gérer ça. Mais je pense que tout le monde doit cesser de faire des connaissances. Sinon, tu dois apprendre à les freiner. C'est-à-dire, je t'ai fait une consultation le matin. Je t'ai examiné, je t'ai déshabillé, je t'ai examiné, je t'ai respecté. Je t'ai accordé tout mon temps. Je t'ai accordé, tu as aspiré, tu as absorbé mon énergie positive. Ok? Tout est nickel. Très bien. Mais le soir, je n'ai pas envie de te voir parce que tu es ma patiente. Tu es une source de stress pour moi. Écoutez, je suis très franche, mais je suis claire. Je vous dis, maintenant, je mets une autre casquette. Alors, les gens doivent comprendre que nous, on a plusieurs casquettes. On n'est pas des hypocrites, mais on a des casquettes. C'est-à-dire, tout à l'heure, je mettais ma casquette de médecin, mais actuellement, je suis une personne, comme n'importe quel citoyen, assise tranquillement, je profite de la vie, de ma jeunesse, du bien-être, du climat, il fait très beau, ok ? Je suis en plein verdure, tout est bien lumineux ici, il y a une lumière vraiment très très romantique et surtout tout est beau. Donc moi j'ai pas envie de parler des maladies. Imaginez si une femme vient me raconter son histoire. Ah, docteur, hier, tu m'as traité, tu m'as rendu un grand service, je souffre, j'ai de l'hémorragie. Mais moi, je ne veux pas écouter de l'hémorragie ce soir. Je veux parler de la bienveillance. Je veux montrer aux gens combien c'est important d'apprendre à arrêter les gens et à imposer le respect, à imposer vos lois. J'ai envie de déguster le plaisir d'être confiante. Et de partager cette confiance avec les gens. D'accord ? Alors, tout ça, c'est beau. Mais quand on a du mal à gérer nos relations, ou quand on a beaucoup de relations d'amitié, si tu as beaucoup d'amis, c'est-à-dire que tu n'as pas d'amis, hein. C'est un proverbe marocain populaire. Il y a un enfant qui crie, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il a ? Pardon. Alors, il faut absolument parler de ce sujet du cadre. Le cadre des relations. Toi, par exemple, tu n'as pas bien saisi, tu n'as pas bien compris pourquoi j'ai mis toute une publication où j'ai mis que si on cherche un partenaire sur Internet, c'est-à-dire qu'on doit avoir un psychiatre. Très bien. Peut-être que vous n'avez pas apprécié. Je comprends. Parce qu'il y a quand même un petit bout de provocation dans ma publication. Et c'est calculé, c'est fait, c'est planifié. Alors, qu'est-ce que tu cherches sur Internet? Tu cherches un partenaire. Pourquoi tu veux un partenaire? Pour te marier avec, ou pour faire l'amour, ou pour faire le sexe, ou pour une aventure. Pourquoi ? D'abord, premièrement, la question qui se pose, c'est pourquoi tu cherches un partenaire sur Internet ? D'accord ? On va traiter ce sujet parce que je pense qu'il est très important. Je vais lire vos commentaires pour qu'il n'y ait pas d'écart entre ce que je dis et ce que vous dites. Merci, c'est Ahmed, c'est gentil. Continuez. Bonsoir. Juger est une chose, critiquer en est une autre. Tout dépend de qui critique et comment. Bravo. De qui critique. C'est important de savoir déjà beaucoup de choses. Est-ce que la moitié? Oui. Merci pour votre réponse. Avec grand plaisir, Cité. Je suis en période 2, j'ai besoin de distance avec les gens. Oh, je suis vraiment désolée pour vous, Madame Fatem Zahra. Je suis vraiment désolée pour vous. Je souhaite que vous soyez en forme. C'est normal d'avoir besoin de distance parce que après, en instance de deuil ou après le décès ou après la séparation,
il y a beaucoup de... Il faut décomposer cette sensation très pénible, très douloureuse. Il faut bien la vivre tranquillement. Vous devez être accompagné. Vous ne devez pas être dérangé. Moi, je me rappelle très bien lorsque j'ai perdu ma grand-mère. Le lendemain, je suis partie à côté, en face de la mer, à Casablanca. J'ai pris mon café, tranquillement, toute seule. J'avais pas envie de parler avec les gens. Il y avait beaucoup de monde à la maison. Et puis, je n'ai dit à personne où est-ce que j'allais. Parce que si j'avais dit à quelqu'un que j'allais prendre mon café, bah, personne n'allait me comprendre. Ils vont croire que moi, je n'ai pas de cœur et que ma grand-mère est décédée. Et moi, je suis partie prendre mon café tranquillement face à la mer, alors que vraiment, j'en avais besoin. Alors, le deuil, la séparation, la douleur, c'est quelque chose de très subjectif. Et je pense que vous devez apprendre à être égoïste. Il faut apprendre à être égoïste. Parce que toi, tu es en train de souffrir. Et je veux même vous dire quelque chose. J'étais pas là lorsque ma grand-mère est décédée. Et j'avais mon avion l'après-midi. Et puis voilà, j'ai pas assisté à son enterrement. Parce que quand on m'a demandé, est-ce qu'on patiente, est-ce que tu viens, je lui ai dit non. Parce que chez nous, en islam, il faut par respect à la personne décédée, il faut faire vite, il faut enterrer et tout. Donc j'ai dû patienter parce que mon vol allait avoir lieu l'après-midi. Je suis partie chez le coiffeur. Je me rappelle très bien, j'étais au salon chez une dame. Je lui ai dit que ma grand-mère est décédée. Je lui dis que la personne la plus précieuse dans ma vie est décédée. Et j'étais choquée. J'étais trop calme. Moi, je sais très bien comment absorber ma colère. Et puis, je suis partie. Elle a pris son temps pour me faire un brushing. Et je n'ai pas dit ça à tout le monde. Pourquoi ? Parce que, maintenant, je le dis parce que j'ai dépassé ce deuil. Je vous promets, Madame Fatima Zahra, qu'un jour, vous allez devenir plus forte que moi. OK ? Très bon, merci beaucoup. Parfois, le stress vient de nos parents, malheureusement. Oui. Alors, permettez-moi juste de donner plus d'attention à Madame Fatima Zahra parce qu'elle est en deuil, elle ne veut pas parler avec les gens. Est-ce que vous êtes là, Madame Fatima Zahra ? Est-ce que vous êtes toujours là ? Parce que quand même, il faut... nous, en médecine, on travaille toujours par... on donne la priorité à tout ce qui est urgent. Je pense qu'elle est l'abonnée la plus prioritaire, si vous voulez. Si vous permettez, bien sûr. Alors, Madame Fatima Zahra, vous êtes toujours là ? La dame qui est en phase de deuil. Bonsoir, c'est toi aussi. Bonsoir tout le monde. Comment puis-je passer mes moments difficiles, docteur ? Avec grand plaisir. Très intéressant, docteur. Alors, je pense que la dame n'est pas avec nous. Je ne sais pas. Bon. Peu importe, je vais enregistrer le live sur YouTube. Et je vais... partager avec vous les choses que moi, sincèrement, j'arrive à les surmonter. C'était trop difficile. J'aimerais vous dire que dans la vie, il y a des moments où on ne peut pas supporter quelque chose. Okay? Les gens ne vont pas te comprendre. Les gens ne savent que juger parce que ce sont des ignorants. Les ignorants jugent. Les gens qui ne sont pas des ignorants, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils s'occupent de leurs affaires. Plus tu t'occupes de tes affaires, plus tu es quelqu'un de bien. Plus tu t'occupes des affaires des autres, plus tu n'as pas de vie, ok ? Alors moi, je suis partie dans le centre de beauté ici pour faire mes cheveux. Pourquoi ? Parce que j'allais pas bien, j'allais m'éclater. Alors il y a des moyens pour aider son corps à se sentir un peu mieux, sans prendre de traitement, sans prendre de drogue, sans prendre de cigarettes, sans prendre de bière. Il y a des gens qui prennent de l'alcool et il y a des gens qui arrivent à manipuler leur cerveau pour sécréter des hormones comme la drogue. Okay? Donc moi, je préfère manipuler mon cerveau pour lui permettre de sécréter ou pour permettre à mon corps de sécréter des hormones comme la drogue. Alors, la drogue de la femme, c'est quoi ? C'est le sang de beauté. Donc directement, quand j'ai appris le décès, je suis partie au centre de beauté, ok ? C'est-à-dire que c'est comme si j'ai pris de la drogue. Le lendemain, ok, on allait préparer, vous savez, on fait comme on dirait une cérémonie, je ne sais pas pourquoi on le fait.
quand quelqu'un est décédé, on prépare une fête sans musique. Et pour appeler tout le monde, bon, moi je suis pas très d'accord avec ça. Et puis tout le monde était occupé, tout le monde était sur ses nerfs. Et moi je suis partie prendre mon café. Pourquoi ? Pour augmenter un peu la dopamine. Pour ne pas partir aux urgences, pour ne pas bénéficier d'une injection, pour ne pas prendre un médicament, pour ne pas, je sais pas moi, ok ? Donc ça, c'est un moyen de manipuler ton cerveau. Donc ce que je conseille, à travers ce que j'ai partagé avec vous, même si je sais qu'il y a des idiots qui partent chez ma famille pour leur dire que Asma rapporte tout à... C'est mon problème à moi, c'est pas le problème de ma famille. Hein. Vous êtes des idiots. Hein. Tout le monde qui a déjà tenté de me créer des problèmes avec ma famille, j'aimerais vous dire que c'est ma famille qui m'a éduquée et c'est très bien que je suis comme ça, que je ne vais pas changer. Okay. Les gens qui n'ont pas de famille, ce sont eux qui s'approchent des familles des autres. Okay. Essayez de trouver un sens à votre vie. Essayez de retrouver votre famille. D'accord ? Au lieu de chercher... Alors ça, c'était juste un petit rendement de compte que je voulais passer en direct. Bien. Alors, ce que je peux conseiller aux gens qui passent par des moments difficiles, premièrement, tu dois garder dans ta tête que les gens ne vont pas te comprendre. Parce que même le médecin ne pourra pas te comprendre. Le médecin, il est là pour te traiter parce qu'il a appris à l'école, à la faculté de médecine, il a appris au centre de psychiatrie, il a appris dans le service de psychiatrie, il a appris au centre hospitalier universitaire que tu es malade, que tu as quelque chose de grave. Mais lui, il ne sait pas qu'est-ce que tu as. Sauf s'il l'a déjà vécu. C'est-à-dire un médecin qui n'a jamais perdu son père ne pourra pas te comprendre. Il va t'aider, peut-être, bien sûr. Il va t'accompagner, il va te soutenir, mais il ne va jamais sentir ce que tu as senti, sauf s'il l'a déjà vécu. Ok ? Donc la première chose à laquelle tu dois passer, c'est que arrête d'attendre à ce que les gens te comprennent. Cela ne fait que te faire souffrir. Si tu veux devenir fou, attends et patiente à ce que les gens te comprennent. Voilà, si vous voulez, l'autoroute, si tu veux arriver rapidement à la folie, avec tous mes respects à tout le monde qui a des psychoses, si tu veux arriver rapidement à la folie, essaie d'attendre à ce que les gens te comprennent. D'accord ? C'est pas ton affaire. Tu souffres, les gens ne peuvent pas te comprendre. Ils doivent juste être polis. Ce qu'on attend des gens, c'est la politesse. C'est respecter la loi. À un moment donné, un certain jour, tu vas devenir mature et tu vas comprendre que tout ce que tu attends des gens, c'est de respecter la loi. Point. Deuxièmement, tu dois savoir que la souffrance est là. Tu vas l'admettre. Elle est là. Elle est là, elle existe. Donc, si tu essaies de la déformer, si tu essaies de c'est juste ton cerveau qui est en train de modifier les choses. Pourquoi ? Parce qu'il est choqué. Si tu veux atténuer la gravité de tout ça, essaie de travailler sur ton enfant intérieur. Donc, si tu n'as pas de deuil, si tu n'es pas en deuil, si tu n'es pas en séparation, si tout va bien dans ta vie, tu dois traiter ton enfant intérieur avant que la surprise survienne. D'accord ? Parce que toi, tu es comme un verre d'eau. Un verre d'eau, par exemple, à 75% rempli. Donc, automatiquement, si tu rajoutes 50% du volume, tu seras surpris, ok ? Tu vas tout mouiller. Moi, je me rappelle très bien, j'ai perdu un PC que j'ai acheté. Ça coûtait... 3500 dirhams, je pense, ou 3000 dirhams. Je ne me rappelle pas très bien. 3000 dirhams ou aux alentours de 3000 dirhams. Et je l'ai abîmé à cause d'une bouteille qui vaut 2 dirhams. C'est-à-dire, à cause de 2 dirhams, j'ai perdu 3000 dirhams. Et depuis ce jour-là, j'ai appris à toujours fermer la bouteille, à bien serrer le bouchon. Alors, le téléphone est à 2%. Je vais lire rapidement vos commentaires. Faut se marier, bien sûr. Ah oui, tout à l'heure, on parlait de pourquoi tu cherches un partenaire sur Internet. Alors, en deux mots, tu cherches les problèmes, les criminels, les psychopathes. Pourquoi ? Parce qu'une personne mature, claire dans sa tête,
une personne qui sait très bien ce qu'elle veut, jamais elle va s'aventurer pour connaître les inconnus. Ok? On va traiter ça tranquillement dans un live. Est-ce que ce live a été utile pour vous? Est-ce que vous aimeriez bien que je l'enregistre sur YouTube? Oui ou non, chers abonnés? Donc, soit tu es fidèle à toi-même, et là, tu es zen, soit tu t'as servi et tu peux...